vais vous montrer comment diviser un nombre de 4 chiffres par un nombre de 1 chiffre avec un diviseur avec 9. Premièrement, je vais vous montrer un petit truc. Si tu prends, mettons, ton dividende, et puis tu prends les chiffres, tu fais 4 plus 1 plus 1 plus 3. 4 plus 1, ça donne 5. 1 plus 3, ça donne 4. Puis 5 plus 4, ça donne 9. Mais là, on sait que si ça donne 9, bien, on sait que puisque le diviseur, c'est 9, ça va arriver juste, il n'y aura pas de reste. Si tu n'as pas compris tantôt, c'est pas grave. On va procéder à faire la division. Pour trouver une façon de trouver, mettons, mes multiples de 9, je peux faire un tic-tac-toe. OK? Et puis, je commence ici, puis je m'en vais dans ce sens-là. J'écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, après ça, je commence dans l'autre sens. J'écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis ben, j'aurai 90, comme 10 fois 9, c'est 90, bien sûr. OK, on y va. Alors, 9 rentre dans 4, ça rentre pas dans 41, est-ce que ça rentre? Oui, si je m'en vais voir ici, 1, 2, 3, 4, pas 5 fois, c'est trop, fait 4 fois. Alors, 4 fois 9, ça donne 36. Je vais le placer ici, en dessous de mon 41. Je fais la soustraction. 41 moins 36, ça donne 5. Si tu as besoin, tu peux aller emprunter. 11 moins 6, ça donne 5. Il reste 3. 3 moins 3, ça donne 0. C'est pour ça qu'on ne l'écrit pas. Oui, je dois baisser mon prochain 1. Ici, ça fait 51. OK, je vais aller voir dans ma table. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ça donne les cinq fois. Si je fais six fois, c'est 54, c'est trop gros. Alors, 5 fois 9, ça donne 45. OK, je peux soustraire encore. 51 moins 45, ça donne 6. Au besoin, tu peux l'emprunter. 11 moins 5, ça donne 6. 4 moins 4, ça donne 0. On va baisser le prochain 3. OK. 9 dans 63, combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Ah, ça arrive juste. Alors, 7, je l'écris ici. 7 fois 9, 63. 63 moins 63, ça donne 0. Alors, pour faire ma preuve, je vais faire 457 fois 9. Alors, 9 fois 7, 63. Je retiens 6. 9 fois 5, 45 plus 6, 51. Je retiens. 9 fois 4, 36 plus 5, 41. On l'a. Notre quotient fois notre diviseur, quotient fois le diviseur. Égale le dividende.